La fin de l'épisode 3 de Loki saison 2 nous a laissé sur un cliffhanger majeur et on se demande maintenant ce que pourrait être ce grand secret dont a parlé Miss Minute. Avertissement, cette vidéo contient des spoilers pour la saison 2 de Loki. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 7 théories sur le secret de Miss Minute. Mais avant de commencer, merci de liker la vidéo si elle vous plaît et de rejoindre notre communauté. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Miss Minute a un secret à révéler qui pourrait modifier la dynamique de Loki et du MCU dans son ensemble, conduisant à des théories intéressantes sur le passé de Ravonna Renslayer et son lien possible avec Kang le Conquérant. La théorie selon laquelle Renslayer et Kang le Conquérant étaient amants dans le MCU a un solide précédent basé sur leur histoire dans Marvel Comics, ce qui ajoute du poids à l'enregistrement entendu par Loki dans l'épisode 1. La possibilité que Ravonna Renslayer soit liée à Kang le Conquérant, que ce soit en tant qu'ancêtre, descendante ou héritière potentielle, pourrait compliquer les choses et constituerait une tournure surprenante pour le MCU. Le cliffhanger de l'épisode 3 m'a donc fait réfléchir à des théories sur ce que pourrait réellement être ce grand secret. Celui qui demeure et Ravonna Renslayer ont dirigé le TVA ensemble. Une explication du secret de Miss Minute est que Ravonna Renslayer a peut-être déjà régné sur le TVA avec celui qui demeure. La saison 2 de Loki a déjà révélé que la mémoire du personnel du TVA était effacée, apparemment à l'exception d'Ouroboros. Il est donc possible que Renslayer ait eu un historique en tant que dirigeant du TVA avant d'être expulsé et d'avoir sa mémoire effacée par celui qui demeure. Ravonna Renslayer est une variante de Kang le Conquérant. Autre théorie populaire et choquante est que Ravonna Renslayer pourrait en fait être une variante de Kang le Conquérant avec celui qui demeure et Victor Timely. S'il s'agit de l'énorme révélation de Miss Minute, cela pourrait sérieusement modifier la dynamique de Loki et du MCU dans son ensemble. Ce serait non seulement la première fois qu'une des variantes féminines de Kang serait vue, mais aussi une variante qui ne ressemble pas à l'acteur Jonathan Majors. Cette révélation reflèterait également parfaitement le scénario global de Loki, mettant en vedette Loki et Sylvie en particulier si Kang le Conquérant et Ravonna Renslayer partageaient une relation dans le passé. Celui qui demeure et Ravonna Renslayer étaient amants. Cette théorie est peut-être la plus convaincante, en particulier si l'on considère l'histoire de Kang le Conquérant et Ravonna Renslayer dans Marvel Comics. Kang et Renslayer ont partagé une relation amoureuse longue et tumultueuse dans Marvel Comics, donc l'idée qu'ils soient amants dans le MCU a un solide précédent. Cela donnerait également du poids à l'enregistrement que Loki a entendu dans l'épisode 1 dans lequel il entend celui qui demeure, ou un autre variant, parler avec tendresse de Renslayer. Une histoire d'amour entre Renslayer et Victor Timely a été évoquée tout au long de l'épisode 3, il ne serait donc pas exagéré d'imaginer que ce soit le grand secret de Miss Minute. Ravonna Renslayer et Kang le Conquérant sont liés. S'éloignant d'une relation amoureuse entre les deux personnages, on pourrait suggérer que Ravonna Renslayer pourrait en fait se révéler comme un ancêtre ou un descendant de Kang le Conquérant. Tout au long de ses intrigues dans Marvel Comics, Kang le Conquérant était régulièrement en grande partie à la recherche d'un héritier de son empire, il est donc possible que Renslayer remplisse ce rôle dans le MCU. Imaginez, Miss Minutes pourrait révéler que Renslayer est la fille, la mère ou même un ancêtre plus lointain de Kang, même si cela compliquerait sûrement les choses puisque Ravonna Renslayer et Victor Timely semblaient entamer une romance dans l'épisode 1893. Celui qui demeure a élagué Ravonna Renslayer. Une scène dans la bande-annonce de la saison 2 de Loki montrait Ravonna Renslayer apparemment dans le néant entouré par la lueur violette foncée d'Aliot. Souvenez-vous, le néant a été introduit dans la saison 1 de Loki comme le dépotoir du TVA, un terrain vague, aride, à la fin des temps, où finit tout ce que le TVA élague, y compris de nombreux easter eggs Marvel et potentiellement d'innombrables variants de Loki. Il est possible que suite à la fin de leur accord et au rôle de Renslayer dans la création du TVA, celui qui demeure ait élagué son ancien allié, la condamnant soit à une vie de fuite d'Aliot, soit à une mort rapide. Miss Minute connaît la vie de Ravonna Renslayer sur la chronologie sacrée. Ouroboros a confirmé que Miss Minute a non seulement un accès administratif complet au TVA, mais également à l'univers entier, suggérant qu'elle connaît les détails de la vie antérieure de tous les travailleurs du TVA sur la chronologie sacrée. C'est peut-être son grand secret qu'elle est sur le point de divulguer à Renslayer, révélant ainsi les mystères du propre chemin de Ravonna sur la chronologie sacrée et peut-être son propre événement Nexus.
La saison 1 a présenté la variante de Renslayer, Rebecca Tourminet, qui est enseignante, mais on ne sait pas si c'est la véritable histoire de Renslayer et on ne sait toujours pas ce qu'elle a fait pour être initialement prise par celui qui demeure. Miss Minute a convaincu celui qui demeure d'effacer la mémoire de Renslayer. En plus de développer davantage le mythe entourant Kang le Conquérant et de donner plus de profondeur à Ravonna Renslayer elle-même, la saison 2 de Loki a également donné à Miss Minute plus de développement que jamais. L'essentiel de cela impliquait de révéler l'intérêt romantique de Miss Minute pour celui qui demeure et Victor Timely, qui s'est d'abord manifesté par de la jalousie en étant témoin de la croissance d'une étincelle romantique entre Renslayer et Timely. Cela signifie qu'il est possible que Miss Minute elle-même ait convaincu celui qui demeure d'abandonner son amour et d'effacer la mémoire de Renslayer, découvrant peut-être davantage le contrôle potentiel de Miss Minute sur celui qui demeure et sa véritable nature méchante. Le secret de Miss Minute restera un mystère jusqu'à la sortie du prochain épisode de Loki, avec plusieurs autres mystères à découvrir, y compris l'aide que Victor Timely peut apporter au TVA, qui a élagué Loki dans l'épisode 1, pourquoi la mémoire d'Obi n'a pas été effacée, et ce qui arrive à la citadelle à la fin du temps. Les épisodes restants de la saison 2 de Loki contiendront sûrement plusieurs autres rebondissements. Révéler le secret de Miss Minute concernant Ravonna Renslayer ne sera sûrement qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste, même si cela pourrait changer considérablement le paysage du MCU pour de bon. A vous de me donner votre avis maintenant. Que pensez-vous de ces théories? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir les vôtres, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.